l'apocalypse semble avoir eu un effet là, sur certaines espèces. Très souvent, c'est ce qu'on remarque, en tout cas. Voilà, Sophie. En fait, selon ce qu'on peut comprendre des premières explications, c'est que la baisse de luminosité a eu un certain effet de... comme si, par exemple, on s'apparentait au début du crépuscule. Donc, pour certaines espèces, il n'y a pas eu trop de changements. C'est le cas, par exemple, de l'ours ou encore du léopard, des neiges qui sont demeurées très calmes. Mais pour d'autres espèces, on a remarqué des comportements quand même assez flamboyants. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, du côté des autruches, on était très agités, on s'est resserrés en groupe. Les zèbres, par exemple, de leur côté, eux se sont mis à galoper, se diriger vers leur enclos nocturne. C'est une douzaine d'espèces donc qui étaient analysées, observées. Chelsea Paquette, elle était coordonnatrice, elle était responsable du secteur des grues du Japon, un grand oiseau. On peut attendre, peut-être en ce moment, là, les grues, ils vocalisent beaucoup, hein, comme ça, normalement. Puis on a réalisé hier, pendant la totalité, pendant qu'il faisait noir, ils n'ont rien dit. Il n'y avait aucune vocalisation de leur part. Donc c'est quand même intéressant parce qu'on peut observer des choses semblables avec les espèces d'oiseaux sauvages qu'on attend aussi aux zoos arrêter de vocaliser pendant l'éclipse. On a analysé les comportements hier, mais ça se poursuivait également aujourd'hui parce qu'on voulait évaluer, comparer avant, pendant et après l'éclipse. C'est au total 38 000 données qui ont été colligées et on espère pouvoir publier un article scientifique sur le phénomène au Zoo Granby. Intéressant. Merci beaucoup, Amélie. Au revoir.